Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Samedi. Du coup, je vous retrouve très tardivement donc pour une nouvelle sélection donc shopping. Comme vous pouvez voir, le portant est blindé. Depuis 3 ans que je publie des vidéos, je pense que le portant n'a jamais été aussi blindé. Le portant, il est bien rempli tout simplement parce qu'en fait, en réalité, ça correspond à 2 sélections shopping. Cette sélection-là, j'aurais dû vous la présenter en 2 vidéos. D'habitude, je fais une vidéo... sélection shopping, j'aurais dû faire une sélection shopping hiver 2021 et une sélection shopping solde 2022. Sauf que j'ai manqué d'envie, j'ai manqué de courage, j'ai manqué d'entrain, j'ai manqué de temps, En réalité, j'avais pas envie de tourner de vidéo. Et je me suis dit, allez Anne-Sophie, booste-toi, vas-y. Et voilà. Et je me suis lancée aujourd'hui, donc d'où le fait qu'il y a beaucoup de vidéos, de vêtements, pardon, à vous présenter. Du coup, petit conseil, franchement. Installe-toi tranquillement devant ton canapé. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand je sais que je vais tomber sur quelqu'un qui est bavard, j'aime bien regarder ce type de vidéo quand je fais mon ménage. Tu vois, quand tu fais la poussière, quand tu fais la vaisselle, quand tu ranges tes vêtements, franchement, voilà, c'est un peu chiant. Alors du coup, ça passe bien. Voilà le conseil que je peux te donner en sirotant allez, du thé, un café. J'essaie de diminuer l'alcool, là. Je diminue ma consommation d'alcool. Voilà, donc en sirotant un petit soft et tout, t'écoutes ma voix en fond, ça va aller. Allez les filles, donc stop le blabla, on va rentrer tout de suite dans le vrai vif du sujet. Ce portant IKEA, je ne sais pas s'il va résister. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, vous voyez. Alors on va commencer par le fond du portant, par deux petits sous-vêtements, jogging, que j'ai acheté chez Sine Qua Non, comme c'est indiqué. Ça c'est le deuxième que j'ai acheté en beige, voilà, petit jogging pour passer l'hiver au chaud, pour passer les week-ends au chaud. Franchement, je suis super contente de la qualité de cet ensemble ainsi que de celui-ci, puisque je l'ai pris en 2 couleurs. J'avais d'abord acheté le bleu marine que j'adore. Et puis après, j'ai dit, allez, franchement, il est tellement bien que j'ai pris le beige. Ce que j'aime dans cet ensemble, c'est que déjà, il est très épais. Franchement, il est épais. À l'intérieur, vous avez comme ça, comme une sorte de polaire. Il est vraiment de très bonne qualité. Il faut savoir que l'ensemble, il est passé à moins 50%. Donc, le sweat plus le pantalon vous reviennent à 39,90€. Voilà, clairement, pour un ensemble... Je pense que là, vous ne pourrez pas trouver moins cher. 40€ un jogging, je vois pas où est-ce que vous pouvez trouver moins cher, à part chez peut-être Primark, Binky, enfin, oui, bon voilà, après la qualité, c'est vous qui voyez, mais franchement, clairement, pour même pas 40€, il est vraiment de super qualité. Je l'adore ce sous-vêtement. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça c'est l'ensemble bleu marine et petite précision en fait, ce que j'ai mis aussi dans ce survêtement, c'est le fait que le haut est un peu court, un peu crop top. Voilà, le bleu marine je l'adore, il est sobre, il est élégant, impeccable. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Sine Qua Non. Pour essayer de m'organiser, je vais faire toutes les pièces par marque. Donc... on va commencer par Sine Qua Non. Je vais continuer par Sine Qua Non donc. Le fameux ensemble donc effet tweed dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est celui-ci. Vous avez cette veste. Donc c'est un petit paletot. Comme ça qu'on dit. Un peu de mal à prononcer. Un petit paletot. Donc en tricot avec du lurex brillant.
C'est un ensemble, franchement, clairement, qui est hyper sophistiqué. Vous avez la jupe ici, avec en bas qui est frangé. Ça, j'avais eu un coup de cœur. L'ensemble, je crois que je l'ai vu... je pense que j'ai vu cet ensemble en vitrine début septembre, par là. Ou tout au début de l'automne. Et je me suis dit, ah, non, il me le faut. Je le trouvais beau, mais comme je vous expliquais... j'hésitais quand même, j'hésitais beaucoup à prendre cet ensemble parce que je trouve que le tweed c'est quand même une matière, je sais pas si c'est vraiment du tweed, mais du moins c'est un effet tweed. On est vraiment sur ça c'est vraiment la tendance un peu Chanel, voilà, le Chanel propose énormément ce genre de... Le tweed c'est vraiment la marque de la maison Chanel et on en voyait quand même, je vais pas dire de partout, mais pas mal chez Zara. Cinequanon en a fait plein cette année et puis d'autres marques aussi ont pas mal proposé d'ensemble dans un effet tweed. Et moi j'ai craqué donc pour celui-ci. La veste, je l'ai prise en taille 38, elle est toujours en ligne, je vous mettrai le lien. Il faut savoir que ça fait quand même assez large, donc 38. Pour moi, c'était quand même assez suffisant, sachant que je suis quand même ronde. Hein. Normalement, en veste, je mets du 40. En veste et en manteau, je mets du 40-42 pour ne pas être étriquée. Mais là, c'est une veste qui est large. Vous voyez, les manches sont larges. Voilà, le vêtement, vraiment, il est large. Donc, 38 pour moi, c'était largement suffisant. La jupe, en revanche, je l'ai prise en taille 42, je crois. Primo parce que j'ai grossi et deuxièmement parce qu'elle taille quand même juste. Par contre la jupe elle a tendance à serrer. Il me semble que la jupe est toujours vendue. Voilà, prenez peut-être une taille au-dessus si vous avez comme moi des bonnes hanches, des cuisses. Si vous êtes ronde du bas, peut-être qu'il vaut mieux privilégier une taille au-dessus de votre taille habituelle. Voilà pour cet ensemble Cinequanon. Cinequanon, je continue avec deux shorts. Premier short, j'adore les shorts, j'adore le cuir. Donc quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, ah purée, il me faut. Je l'ai eu. C'est un très joli short, franchement, il est de sublime qualité. Il n'y a rien à dire, le cuir est beau, les finitions sont impeccables. Le seul petit bémol sur ce short, qui est taille haute, c'est que la taille, pour le coup, je trouve qu'elle est beaucoup trop haute. Je vais faire les essayages, vous verrez, la taille m'arrive... vous me direz, juste presque en bas de la poitrine. Donc c'est un peu trop haut quand même, c'est ce que je reproche à ce short, qui est quand même, je trouve, très type teint. C'est très atypique, si vous voulez. On n'est pas sur un basique intemporel. Moi, j'aime bien les vêtements, comme je l'avais expliqué, j'aime bien les basiques. J'aime bien les vêtements dont je ne vais pas me lasser dans le temps, parce que je garde mes vêtements très longtemps. Et du coup, c'est vrai que je prends plus beaucoup de risques maintenant. J'ai pas envie d'acheter des trucs trop excentriques et que dans 2 ans, 3 ans, je m'en lasse. Sachant que je mets quand même beaucoup de sous dans les vêtements, donc j'aimerais bien les garder longtemps. Mais lui, pour le coup, voilà, je me dis, c'est vrai qu'il m'a plu aujourd'hui. Est-ce que d'ici quelques années, il me plaira toujours? Est-ce que je ne vais pas me lasser de cette taille très très haute? Bon, voilà. Donc c'est un peu spécial en termes de coupe. Et je comprendrais tout à fait que ça ne vous plaise pas. C'est un peu particulier, mais en tout cas, franchement, j'ai adoré. Et clairement, rapport qualité-prix, pour un vêtement de ce type, je pense que vous ne trouverez pas mieux en termes de prix. C'est une des pièces... Non, c'est pas la pièce la plus chère de ce dressing. J'ai acheté qui est bien plus cher. C'est vrai qu'il n'était pas donné. J'ai acheté à moins 50%. Avec les moins 50, j'ai payé 75€. Et clairement, je vous dis, hein, sur ce type de pièces en cuir, Cinequanon, moi, je trouve qu'ils sont imbattables. 75€ en solde, hein, bien évidemment. Donc, j'ai pris celui-là. Et celui-là, je l'ai pris en taille 42 dans mes souvenirs. J'ai pris son frère, voilà, j'ai pris le frère en daim, donc c'est exactement le même short, sauf que celui-là vous êtes sur un cuir je pense d'agneau, et bon là c'est aussi du cuir d'agneau, mais là vous êtes sur un effet daim. Voilà, par contre lui je l'ai pris finalement en taille 40, j'ai beaucoup hésité au niveau des tailles, le 40 allait bien, mais moi j'aime pas être trop serré au niveau du bas de mes vêtements. Donc je me suis dit, et comme en ce moment je suis plus que l'inverse, du coup j'ai préféré prendre un 40, un 42 sur celui-là.
Et puis lui, finalement, je me suis dit, allez, c'est bon, je prends du 40, ça ira très bien. Il n'y a pas une très très grande différence entre le 40 et le 42, sincèrement. Voilà ce que je peux vous dire pour ces deux shorts. Franchement, c'est des superbes pièces. Il me semble qu'ils sont toujours vendus. Je vous mets le lien et clairement, je vous les conseille. Surtout que là, ils sont bon, à moins 50, c'est certain. Mais ils vont pas tarder à passer à moins 60. Après, ben forcément, plus il y a des marques, moins il y a de taille. Sine qua non, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sine qua non dans cette sélection? En sine qua non, j'ai chopé une jupe. Alors là, cette année, je sais pas si c'est cette année, mais du moins, il y a énormément de verres. Il y a beaucoup de verres. Et il se trouve que le vert, c'est ma couleur préférée. Ma nuance préférée, exactement, c'est le vert kaki. J'ai une passion pour le vert kaki, mais c'est quelque chose, quoi. Là, la robe que je porte, c'est également une nouvelle sélection, voilà, un shopping de la fin de l'année, je vous en ai pas parlé. Celle-ci, je l'ai chopée chez... je l'ai chopée en braderie. Braderie de Villefranche-sur-Saône. La marque, c'est la Fée Maraboutée. J'ai pas voulu vous en parler parce que, pour le coup, je m'habille absolument pas dans cette boutique. Mais voilà, je l'ai achetée, cette robe, justement à cause de la couleur. J'aime trop cette nuance de vert. Et on est vraiment dans le même style. On est sur un style un peu animalier, un peu jungle. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette jupe longue qui est en bas, qui est volantée. Est-ce que vous voyez les volants? Je ne sais pas. Et qui est doublée. Voilà. Celle-ci, je l'ai achetée, je crois qu'elle m'a coûté 27 euros. Voilà. Donc, pas vraiment, voilà, tout à fait 20. On est sur un prix très raisonnable, en solde bien sûr. Et en taille, j'ai pris dans mes souvenirs du 40. Ouais, ma taille de toute façon, mais j'ai pris du 40. Voilà ce que je peux vous dire sur cette jupe sine qua non. Je continue avec sine qua non. Je crois qu'il me reste une pièce. C'est celle-ci. Donc ça, c'est la dernière pièce, donc sine qua non. On est sur une très longue robe à manches. Une très longue robe à manches, 13 années 70. Là, on est vraiment sur un look hippie, bohème, vraiment 13 années 70. J'adore ce motif. On est sur un motif un petit peu cachemire, j'adore. Après, la robe longue, je crains un peu parce que moi, je suis petite, hein, je fais 1m57. Du coup, c'est vrai que ça a tendance à tasser, hein, quand on est petit, le très long. Mais je l'ai prise quand même parce que franchement, elle est trop trop belle. Elle est doublée au niveau du bas. Elle est doublée. Non, franchement, cette robe-là, rapport qualité-prix, je la trouve topissime. Elle n'était pas hyper chère. Hein. Son prix initial, c'est 109 euros. Moi, je trouve sincèrement que 109 euros, je ne dis pas que c'est pas cher, mais je dis tout simplement que c'est raisonnablement cher. Bref, en fait, disons que vous iriez dans une autre boutique, une robe comme ça, sincèrement, je sais pas, moi, vous alliez chez Maj, vous alliez chez Claudie Pierlot, ça serait quasiment la même qualité, peut-être légèrement mieux, mais clairement, elle te coûterait 250 euros. Donc là, 109 euros, je trouvais que c'était quand même déjà raisonnable, le prix de base était raisonnable, et puis je l'ai acheté à moins 50, voilà. Celle-ci, je vais probablement ne pas l'essayer parce que je vais vous tourner une vidéo vraiment sur une vidéo pour vous parler un peu du style années 70, voilà. Et voilà, j'ai très envie de vous tourner cette vidéo. Donc il y a certaines pièces dans cette sélection qui font très années 70, mais sur lesquelles je vais pas m'étendre parce que justement je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc cette pièce-ci, elle en fait partie. Je l'ai prise en quelle taille? Ben 40 comme d'habitude, hein, en taille 40. Sinon, la robe, dernière précision, elle est donc jalonnée de petits boutons devant. Et puis, ici, vous avez une doublure. Non, il y a vraiment des belles finitions. Hein. Une petite doublure comme ça. Non, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment une superbe pièce. Voilà pour cette pièce sine qua non. Et je crois que c'est la dernière sélection sine qua non. Un peu plus tôt, j'ai oublié de vous parler d'un t-shirt. Oups, un t-shirt noir basique sine qua non. Petit t-shirt noir qui ne paye pas de mine mais qui quand même a une petite originalité. C'est que vous pouvez le porter des deux côtés. Soit vous le portez de ce côté-ci avec le col rond,
soit vous le portez de ce côté-ci avec le col échancré. Donc petit t-shirt banal, mais j'ai bien aimé le jeu de j'ai bien aimé la possibilité de porter le t-shirt entre guillemets à l'envers ou à l'endroit entre guillemets. Voilà, l'étiquette est sur le côté, donc vous êtes libre de porter comme vous souhaitez, avec la petite inscription madame qui rapporte un petit truc en plus, mais okay, c'est un petit t-shirt basique, je suis d'accord avec vous. Rien d'extra. Ok, écoutez, je vous ai parlé des pièces principales et on va dire des marques auxquelles, enfin chez qui je m'habille habituellement. Il me reste quelques pièces dont je souhaiterais vous parler. Là voilà, il me reste quelques pièces H&M, un ensemble de chez Jo de Pure et un trench Sandro. On va passer à donc sélection suivante, Kukai. Chez Kukai cette année j'ai que deux pièces hein, de chez Kukai. Hein. Ouais, j'ai pas grand chose hein, de chez Kukai. Hein. Du coup donc sélection Kukai, c'est une longue surchemise en cuir. La surchemise en cuir depuis 3 ans je crois à peu près, c'est hyper tendance. Comme d'habitude, toujours le même refrain. J'en avais pas acheté, les filles. J'adore. J'ai tout de suite, dès que ça a été lancé, dès que la surchemise est revenue à la mode, hein, puisque c'est pas une invention, vous savez très bien que la mode est un éternel recommencement. Dès qu'elle est redevenue tendance, franchement, j'ai tout de suite aimé cette surchemise. Mais il y a eu beaucoup de surchemises en synthétique. Vous connaissez mon discours, j'aime pas le cuir synthétique. Et les surchemises en cuir étaient très chères. Donc j'attendais. Kukai a donc sorti celle-ci qui n'était pas donnée. Il y avait également Mango qui avait sorti des belles surchemises également. Et j'ai finalement opté pour cette surchemise donc Kukai que j'ai achetée à moins 50%. Franchement elle est super belle. Celle-là je ne vous mettrai pas le lien. Elle n'est plus vendue. Peut-être par le plus grand des hasards hein, si vous avez un Kukai dans votre ville. Peut-être que vous pourrez la trouver. Mais c'est vrai que le jour où je l'ai acheté, clairement, je crois qu'en boutique, il restait très peu de pièces. Je l'ai prise en taille 40. Je l'ai prise en taille 40. J'ai longuement hésité entre la 40 et la 42, tout simplement parce que je voulais vraiment un style oversize. À ce propos, il y a une marque sur Instagram que j'adore. Chaque fois que je parlais d'un truc, j'oublie. C'est quoi cette marque encore? Elle est trop belle cette marque. C'est une marque qui propose que des vêtements stylés oversize, j'adore. Et c'est vrai que cette marque m'inspire beaucoup. Eh bien, je ne me retrouve plus, comme par hasard. Je vous mettrai en bas le nom de la marque. Je l'indiquerai là en bas. Et en fait, cette marque m'inspire énormément. Et c'est vrai qu'ils habillent leurs mannequins de manière très oversize. Et j'adore. Franchement, j'adore. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à prendre la 42 pour que ce soit un maximum oversize. Mais c'est vrai que derrière... Pourtant, je suis ronde, hein. Mais là, franchement, pour le coup, dans la 42, je nageais. Donc, j'ai pris du 40 et, ben, écoutez, c'est impeccable. Hein, et le style oversize est là. Je vous montrerai ça en essayage. Que vous dire de plus sur cette chemise? Ben, rien d'extra. Voilà. Franchement, c'est une belle pièce. Non, je suis contente. Je suis vraiment contente de l'avoir choisie. En même temps, sincèrement, c'est rare que je... Alors, j'allais dire, c'est rare que je sois pas contente d'avoir acheté une pièce. Ben, cette année, c'est arrivé. Je vais vous montrer un peu plus tard, je vais vous parler d'une pièce là que j'ai acheté une blinde sur le site Sandro et j'aurais mieux fait garder mon argent. Bref, Kukai, je continue. J'ai pris cette deuxième pièce en cuir. Celle-ci, vous la connaissez, mais je pense que vous la connaissez pas parce que vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo. Vous l'avez pas regardé, si vous l'avez regardé, vous l'avez pas liké. Vous avez vraiment pas envie de la soutenir hein, cette chaîne. Hein. Vous voulez que je m'effondre. Non, je ne vais pas m'effondrer, mais en tout cas, vous ne voulez pas que je décolle. Bref. Du coup, cette jupe, peut-être que vous la connaissez, puisque je vous en ai parlé donc dans la dernière sélection donc shopping donc de l'été 2021. Je l'avais achetée en beige, donc c'est exactement la même petite jupe en cuir d'agneau, je crois, que j'ai prise en marron. Voilà, ni plus ni moins. Comme entre-temps... Alors, entre cet été et maintenant, je crois que j'ai dû prendre pas beaucoup, 1,5 kg. C'est déjà bien. Hein. Du coup,
Je l'ai prise en 40, je suis serrée hein, quand même. Je suis serrée du coup. Voilà, mais rien à dire de spécial, rien à dire de plus. Je vous en ai quand même pas mal parlé dans la précédente vidéo. Je vais pas reblablater dessus. Donc voilà pour la sélection Pukaï. Hein. J'ai donc pris deux pièces. Non, j'ai oublié. J'ai pris chez Pukaï. Donc ça, c'était au tout début de l'automne. J'ai pris ce petit gilet. Je vais m'approcher que vous le voyez. Donc ça, c'était très tendance. Hein. Cet automne et cet hiver, c'est également très tendance. On est sur un gilet un peu mémérisant. Voilà, on est sur une maille, sur un style, ben justement, je pense assez années 70, vieillot. Certains diraient vintage, mais franchement, là, on est vraiment sur un truc, un style vieillot. Ce gilet, je l'aime bien, mais sans plus en fait. Je suis pas certaine, je sais pas si j'ai bien fait de l'acheter. Parce qu'en fait, d'une part, ce que j'aime pas finalement, et c'est trop chiant à porter pour moi qui suis frileuse. Les manches 3 quarts, c'est chiant à porter. Parce qu'en fait, moi, je suis très frileuse et des manches 3 quarts en hiver, pour moi, c'est pas envisageable. Là, je vous tourne une vidéo, mais je m'habille pas du tout comme ça, en fait, la semaine. Hein. Déjà, j'ai un métier qui fait que je peux pas porter de jupe. Toute la semaine, je suis en pantalon et c'est pas juste le fait d'être en pantalon. C'est que moi, je suis en col roulé d'ici, voilà, jusque-là. Là, dernièrement, il faisait un froid de canard à Lyon, je mettais deux pulls col roulé tellement je suis frileuse. Du coup ça me convient pas et je ne l'ai encore jamais porté. Je pense que j'en profiterai en avril lorsque les températures vont commencer à s'adoucir. Mais là en plein hiver franchement c'est chiant à porter en fait. J'ai mis un col roulé blanc en dessous mais c'est pas beau. Enfin, non les manches 3 quarts je recommencerai pas. Je recommencerai pas. Sinon, je l'ai pris en taille dans mes souvenirs M, je crois. Voilà, donc il contient du mohair. Faites attention. Si vous achetez de la maille avec du mohair, j'ai bousillé deux pulls comme ça, dont un pull Pukaï que j'adorais. Je vous en avais parlé dans la sélection, donc hiver 2021. Je vous l'ai montré ce pull. Je l'ai bousillé. Le pull qui était large, qui était oversize, qui était souple. Aujourd'hui, je l'ai passé à la machine sur un cycle ordinaire, donc synthétique. Aujourd'hui, il est crop top. Les manches arrivent ici et il m'arrive là. Donc je l'ai bousé, donc franchement, faites gaffe quand vous achetez de la maille à vos cycles en machine. Voilà, je crois que Pukaï, je vous ai tout présenté. Ouais, j'ai rien oublié. Section, on va passer à Zara. Zara, je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, depuis le Covid, clairement, ce que fait Zara, ça me plaît plus. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes dernières vidéos, il y a très peu de vêtements Zara. Mais cette année, cet automne plutôt, j'avais repéré deux ensembles qui m'avaient plu, surtout un ensemble qui m'avait vraiment plu. J'ai réussi à le choper, c'était non sans peine, hein, parce que j'ai fait trois boutiques hein, pour pouvoir... l'ensemble que je vais vous montrer de suite. Et puis par le grand hasard, le fruit du hasard, j'ai chopé un pantalon en cuir. Nous sommes samedi 29 janvier, je l'ai chopé jeudi 27, le jeudi de cette semaine. J'étais en formation sur Paris. Je suis partie au Zara de Rivoli. En fait, je cherchais une pièce. Je suis partie au Zara du Forum des Halles, j'ai pas trouvé ma pièce. Je traînais là en mode perdu dans ma vie, perdu dans ma tête. J'étais tellement déçue de ne pas avoir trouvé la pièce que je voulais. Et je suis tombée sur un petit pantalon en cuir, je vais vous le montrer. J'ai pas pêché. Bref, du coup, chez Zara, j'ai chopé. Ah, j'ai oublié une pièce de chez Cinequanon, il faut que je vous en parle. Chez Zara, j'ai chopé cet ensemble en velours. C'est ce que je vous disais. Qui a deux petites nouveautés quand même dans mon dressing, c'est cet ensemble en velours. Ah mais j'ai eu un coup de cœur. J'aime trop le motif. J'adore le motif. On est sur un style Dolce & Gabbana. Ça, je trouve que c'est vraiment le style Dolce & Gabbana parce qu'on est, sur un motif en fait à fleurs. Franchement, je trouve que c'est un très bel ensemble. Je vais quand même vous parler des bémols. J'ai lavé le pantalon. Il faut savoir que c'est très fragile. Heureusement, la veste, je ne l'ai pas lavé. Mais je pense que je la ferai nettoyer à sec. Parce que le pantalon, je l'ai un peu abîmé. Il s'est abîmé lorsque je l'ai étendu ni plus ni moins sur le sèche-linge.
sur les tendoirs. Tout simplement parce qu'en fait, cette matière de velours qui porte un nom, je sais plus comment ça s'appelle, c'est hyper fragile. La matière, elle marque énormément en fait. Donc du coup, à un niveau du pantalon, à un certain niveau, le tissu a pris le pli de l'étendage. Donc voilà. En ça, un peu déçu. Autre bémol de cet ensemble, c'est que du coup, il est assez fin. C'est un ensemble pour faire beau. La veste ne tient absolument pas chaud du tout. C'est juste pour faire beau, quoi. C'est juste pour avoir le style, rien de plus. Sinon, franchement, les finitions sont bien terminées. On est sur du made in Espagne, hein, je crois. C'est fabriqué en Espagne. C'est pas mal, hein? Pas mal, Zara. C'est bien fabriqué en Europe. De quitter un peu la Chine, là. C'est bien. Du coup, non, franchement, je suis contente de cet ensemble qui n'était pas hyper cher non plus. Le blazer, dans mes souvenirs, il coûtait 70€ et je l'ai eu à 50. Le pantalon faisait 40€ et je l'ai eu à 26€. Donc voilà, ça peut pas non plus être une super qualité parce que le prix était quand même très raisonnable hein, de base. Donc voilà, mais franchement, c'est vraiment un coup de cœur pour vous donner un petit style pour sortir le week-end. La semaine, moi, je la porte aussi, cette veste, hein, par-dessus un jean, par-dessus un pantalon... ordinaire entre guillemets pour rehausser un look très ordinaire, franchement ça le fait bien. La taille, la veste j'ai prise en taille M, impeccable. Et le pantalon, excusez-moi, le pantalon je l'ai pris en taille L. Ouais, le pantalon je l'ai pris en taille L. Je crois qu'il y avait plus de taille M et par rapport à mes grosses cuisses là, j'avais peur que le M me sert trop. Le taille L va très bien, ça va très très bien la taille L. Voilà ce que je peux vous dire sur cet ensemble. Franchement, c'était celui que je voulais. Les filles, franchement, je voulais vraiment cet ensemble de chez Zara. Et je vous disais, hein, j'ai fait 3 boutiques hein, pour le trouver cet ensemble. Donc, je suis super contente. C'est juste le pantalon. Ouais, je suis un peu déçue qu'il marque autant. Mais bon, tant pis. On continue chez Zara, les filles. Ça, c'était mon premier coup de cœur. En fait. Premier coup de cœur chez Zara. Celle-là, je l'ai achetée, je crois, en septembre, je l'ai achetée. Là, on est vraiment sur un style. Moi, je trouve que ça fait très années 70. Ça fait vraiment très 70s. Power, flower. Franchement, cette robe, je l'adore. Elle coûte 39,90€. Je trouve que là, rapport qualité-prix Zara, ils ont fait du bon job. Ils ont fait du bon travail. Elle est toute doublée, la robe. Ici, elle est volontée à ce niveau-là. Franchement, elle est super sympa. Le seul petit truc, c'est quand même je suis assez serrée. Dans la robe, je l'ai prise en taille L, attention, je l'ai prise en taille L parce qu'elle taille petit. Et que vous dire d'autre, en fait ici vous avez un grand décolleté. Le gros bémol de cette robe, c'est qu'à ce niveau là vous avez un grand décolleté. C'est ce qui fait le chic de la robe, mais pour le coup, niveau confection c'était zéro. Moi j'ai pas beaucoup de seins j'ai pas une grosse poitrine et en fait j'ai dû prendre de la taille L par rapport à mes cuisses pour qu'elle puisse passer, mais au niveau du haut c'était trop large. Donc ce que j'ai demandé, c'est que tout simplement mon couturier a repris la robe à ce niveau là il me l'a reprise hein, tout simplement. Il a décousu ici, il a recoupé, enfin il a fait un... C'est pour un couturier, c'était tout simple hein, ce qu'il a fait hein. Il a fait un bon job et du coup aujourd'hui elle est impeccable, juste trop serrée. Pour ça je sais ce qu'il me reste à faire hein. Voilà, franchement, petite robe super sympa. Je sais que dans la nouvelle collection, ils ont ressorti la même, apparemment. La même robe dans un autre motif, hein, si je ne me trompe pas. Je continue chez Zara. Donc, je vais vous parler de ma petite trouvaille, donc parisienne. Donc, voilà ce pantalon que j'ai chopé. Donc, au Zara du Forum des Halles. Il coûtait 145€ et je l'ai eu à 30€. Je pense que c'était tout simplement une vieillerie qu'ils avaient en stock et comme ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser, ils l'ont bradé. Ben voilà, on est sur un pantalon jupe culotte large, donc 7/8, plutôt large quand même. Moi je ne le porte pas hyper large, mes cuisses rentrent bien dedans, mais franchement super confortable, dans un style décontracté. Et en fait je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté ce pantalon très spécifiquement, parce qu'en fait j'ai chopé une veste à franges en cuir, exactement dans le même cuir et de la même couleur. Donc du coup ça me fait un ensemble. La seule petite différence, c'est que la veste je l'ai achetée, on peut dire, en seconde main. Je vais pas trop blablater, je vais vous tourner très prochainement une vidéo seconde main parce que j'ai fait beaucoup de shopping seconde main.
je vous expliquerai tout ça. C'est pas vraiment de la seconde main, c'est une veste que j'ai achetée dans une grande vente. C'est pas Emmaüs, hein, c'est l'autre association. Et en fait, ils ont expliqué que ben, souvent les marques, il y a une part de leurs invendus qu'ils donnent aux associations de type Emmaüs. Des vêtements qui n'ont jamais été portés, ils les donnent. Et du coup, j'ai chopé la veste. Je vous montrerai très rapidement. Je crois que je vous ai parlé de toutes les pièces. Qu'est-ce qui reste? Ah non! J'ai oublié. Je vais trop vite. J'ai oublié. Mon deuxième ensemble coup de cœur Zara, c'est celui-ci. Celui-ci, peut-être que vous l'avez vu en magasin. Donc, on est sur un ensemble, donc jupe, jupe et crop top. Je trouve que cet ensemble, il fait très first lady, il est hyper classique. Le haut a beau être court, il est très classique en fait, hein, cet ensemble. On est sur une jupe, donc midi, un long midi hein, quand même, un long midi. Hein. Elle arrive quand même bien bas, la jupe. Derrière, vous avez une belle fente, comme ça. Pour donner un peu de sexy hein, quand même. Hein. Vous savez que Zara, chez Zara, on aime le sexy quand même. Je l'ai prise en taille M. Elle me sert à mort. Donc c'est pour ça que je vous dis là, il faut que je me glisse. Il faut que je me déleste de tous les kilos. Elle me sert à mort. Et pourtant, les jupes, j'ai toujours pris la taille M chez Zara. Mais alors là, je suis serrée. J'aurais pu prendre de la taille L. Mais en fait, je voulais quand même. Pourquoi j'ai pris de la taille M? Je voulais qu'elle fasse bien ressortir mes fesses. C'est pour ça que j'ai pris la taille. Et donc du coup j'ai pris le crop top donc qui va avec. Et là par contre, alors la jupe me sert, mais alors le crop top au secours. J'avais acheté le crop top en taille M parce que depuis l'arrivée du variant Omicron, Zara a fermé les cabines d'essayage. Depuis le début de la crise sanitaire, les cabines avaient été laissées ouvertes. Mais là ils ont dit stop, ils ont dit Omicron c'est stop, donc du coup ils ont fermé les cabines d'essayage, j'ai pas pu essayer aucun vêtement que j'ai acheté chez Zara, j'ai dû essayer ça chez moi, et du coup ben, par habitude j'avais pris de la taille M au niveau du haut, je voyais bien que c'était un peu serré, mais je me dis bon ça va peut-être passer, j'arrivais pas à fermer ici la fermeture, et les bras, je ne pouvais pas lever le bras, donc heureusement je suis retournée, j'ai rendu et j'ai pris de la taille L. Et voilà, donc le haut, je l'ai acheté 26€ comme indiqué ici sur l'étiquette. Et c'était mal soldé, hein. Il était à 40€ le haut et la jupe était à 50€. Donc voilà le petit crop top. Rassurez-vous, on ne voit pas du tout mon ventre parce que la jupe elle est tellement taille haute qu'on ne voit pas le ventre. Et ça fait, c'est un ensemble assez classique. Sincèrement, j'aime pas trop hein, les deux pièces ensemble. J'aime moyennement les deux pièces ensemble. Je préfère les dépareiller. Je pense pas que je vais beaucoup porter l'ensemble. Je vais plus les porter des paris. Mais ça reste franchement, rapport qualité-prix, là pour le coup Zara, ils ont fait quand même un beau travail sur cet ensemble. Je crois que je vous ai présenté toutes les pièces Zara. Ah, j'allais oublier de vous parler d'une pièce. C'est ce petit body que j'ai pris chez Zara, tout en lycra. Alors là, clairement, c'est pas du tout mon style. Ça, c'est... je l'ai pris pour la couleur, le col, j'ai adoré le col, mais alors la matière, mais ça me grossit, mais pouh! Du coup, dans ces cas-là, en fait, de toute façon, c'est un body, donc c'est le genre de pièce que je vais porter vraiment en dessous d'une veste. Me balader avec un truc aussi moulant sur moi, c'est pas mon style. Clairement, c'est pas mon style. J'adore la couleur. Je vais l'essayer, je vais vous montrer. C'est très élégant, c'est super joli. Mais le reste, c'est tellement moulant que moi, j'aime pas. Enfin, je vous l'ai déjà dit, le moulant là, je sais pas, je trouve que j'ai passé l'âge de porter des choses dans lesquelles je suis ensaucissonnée. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais après, c'est une matière lycra aussi. Hein, c'est ce qui accentue le côté saucisson. Mais sinon, franchement, la couleur, j'adore. Vert sapin, oh, il est trop et super joli. En dessous d'une veste, vraiment c'est impeccable. C'est la dernière pièce que j'avais oublié de vous parler de cette pièce. Alors pour ces dernières pièces, je vais commencer par ce jean, bébé jean. C'est de loin, ce jean est magnifique. Ah, je sais qu'on dirait pas comme ça à la vidéo, mais ce jean est magnifique. Oh, franchement les filles, il met mes fesses en valeur, mais je kiffe quoi. Il me fait bien ressortir mes fesses là. Parce que, alors autant j'ai grossi, mais pour le coup, je perds des fesses. Ça peut paraître contradictoire, mais non, parce qu'en fait, je ne fais plus de sport. Et comme je ne fais plus de sport, ben du coup,
bah du coup ça retombe en fait. Et ce jean, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce jean, c'est le fait qu'il dessine bien mes fesses et il les remonte. Le seul inconvénient, franchement il me va super bien de partout, le seul inconvénient de ce jean, c'est que je ne rentre pas dedans. Vous allez dire que je suis... Ouais, je suis conne, jamais. En fait, si je rentre dedans, c'est juste que... Il est très, 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 très taille haute. Et au niveau de la taille, il sert à mourir. Il sert à mourir. Alors du coup, c'est bien parce que au final, il te fait une toute petite taille, bien, bien dessinée. Il te fait une petite taille de guêpe. C'est pour ça que du coup, ben, ça fait bien ressortir le fessier. Mais je peux pas respirer en fait. Je l'ai mis une fois un jour cet été au travail, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais je suis malade en fait. Je n'arrivais plus à respirer. J'étais super mal. Mais je l'adore. Je l'adore, il est trop beau. En bas, enfin, il était hyper long, donc je l'ai coupé. Je ne vais pas faire d'ourlet. Il est trop beau, il est bien délavé. On est sur un jean brut. Il n'y a pas un brin d'élastane. Là, on est sur du 100% coton. D'où le fait que je sois autant serrée. Parce que quand vous avez un petit peu d'élastane, vous avez toujours un petit peu de jeu. Et là, rien. Mais franchement, je l'adore. C'est un pépé de jean en partenariat avec Lua Dua Lipé. Ah, je suis désolée, je ne suis pas au fait de toute l'actualité musicale. C'est une chanteuse. Bref, il est trop beau ce jean que j'ai chopé chez Misty Griff à 15€. Je ferai tout. Je vais me battre pour rentrer dedans. Je ferai tout pour porter mon jean, les filles, je le kiffe trop. Voilà pour ce petit shopping donc chez Misty Griff. Je vais continuer par une autre pièce isolée. Donc, c'est cet ensemble en cuir que j'ai acheté à la fin de l'été 2021, lui. Pourquoi je vous en parle? Parce que voilà, c'est clairement un basique, un indispensable de la mode depuis 2-3 ans. Clairement, là, l'ensemble en cuir, tout cuir, est vraiment très très tendance depuis un an et demi, deux ans. J'ai donc chiné cet ensemble en cuir véritable aux Galeries Lafayette. Aux Galeries Lafayette. Je l'ai acheté aux Galeries Lafayette du centre commercial de la Part-Dieu. La marque, c'est Jo de... La marque, c'est Jo de Pure. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Il était à moins 50%. L'ensemble faisait 400€. Hein. 200€ la veste, 200€ le pantalon. Et j'ai eu à moins 50, donc il m'est revenu à 200€. Voilà, franchement, tout camel comme ça, super joli. Voilà. Ça, c'est voilà, pour aller travailler. Franchement, là-dedans, je suis bien, quoi. Ni plus ni moins. Ce que j'aime bien avec donc la surchemise en cuir, c'est que ben tu peux la porter à tout moment de l'année en fait, hein, cette surchemise en cuir. En hiver, je mets mon gros pull, par-dessus je mets la surchemise en cuir, par-dessus je rajoute mon manteau. Franchement, ça, je trouve que ça fait une barrière supplémentaire contre le froid. Et voilà, là, j'ai le pantalon. La surchemise, je l'ai prise en taille 40 et le pantalon, je crois que je l'ai pris également en taille 40. Voilà ce que je peux vous dire. Le seul petit bémol, c'est juste dommage que le cuir ne soit pas doublé à l'intérieur. Mais franchement, c'est un très bel ensemble. Et 200€, le pantalon et la veste, moi je trouve que ça reste quand même correct. Pour du vrai cuir. Pour du vrai cuir. Ça reste correct, à mon sens. Voilà ce que je peux vous dire pour cet ensemble qui est vraiment, mais vraiment super tendance. En ce moment, voilà pourquoi je vous en parle. J'aurais dû vous en parler hein, au mois de septembre, mais bon, voilà, je n'ai pas le courage de tourner la vidéo. Donc, je vous en parle maintenant. Je continue avec une autre pièce en cuir. Donc, un trench. Alors, ce trench, c'est un trench que j'ai acheté chez Sandro. Et je l'ai précisément commandé sur le site internet. Et en plus de ça, donc ça c'est de toute cette sélection, c'est la seule pièce que je regrette. Parce qu'elle m'a coûté une blinde. Je ne vous dirai pas le prix parce que ça n'a pas d'intérêt. Et je ne voudrais pas que ce soit interprété comme de la vantardise. Surtout qu'il n'y a rien à se vanter de dépenser de l'argent dans des vêtements. C'est de la pure bêtise. Mais bon, après voilà. On ne dit pas toujours que des bonnes choses dans la vie. Mais il coûtait une blinde. Oh purée.
Mon Dieu, dis-moi que cette tache s'en va, parce que là, sinon, je me tire une balle. J'exagère. Je viens de me rendre compte que c'est taché. Dis-moi que ça part, mon Dieu. Mon Dieu, dis-moi que ça part, là. Parce que clairement, là, ça va pas aller. La veste que j'ai payée une blinde, là, elle est... C'est bon, ça part. Là, j'ai fait une tache, là. Est-ce que vous allez voir pourquoi, d'un seul coup, je me suis mise à paniquer? Voilà, j'ai fait cette tache là. Et le cuir, ce cuir là, il est fragile comme jamais. Il est fragile comme jamais. J'avais porté cette veste et j'ai mangé un kebab. Le gras a coulé sur la manche. Ça m'a taché le cuir. J'avais envie de pleurer. Ouais, parce qu'elle m'a coûté une blinde. On dirait pas parce que c'est une veste banale. Et peut-être même que vous n'allez pas la trouver belle. Ce que je comprendrais tout à fait. Mais elle coûtait une blinde. Je l'ai achetée donc à moins 50 sur le site Sandro. Je la voulais trop. Pourquoi? Parce que c'est un trench. J'adore les trenches. Parce que c'est du kaki, j'adore le kaki, et parce que c'est du cuir, j'adore le cuir. Ce trench, a priori, réunissait vraiment trois critères que j'aime dans la mode. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il y avait quand même un petit, comment on appelle ça? Il y a eu un petit peu de comment dire, un petit mensonge sur la photo. Parce qu'en fait, ici, normalement, il devait y avoir, si je ne me trompe pas, ça s'appelle des patères. Pas une patère, il devait avoir une petite ceinture, je sais pas comment on appelle ça, de chaque côté, comme ici vous l'avez sur les manches, voilà, si vous avez comme ça une petite ceinture ici, vous deviez avoir exactement la même chose ici, et moi, ça n'a pas été livré. Si je trouve la photo, je vous la mettrai, pour que ce soit plus clair. Bref, déjà il y a eu cette déception, puisque le modèle qu'on m'a vendu, ce n'était pas exactement la même chose que sur le site internet. Après, j'ai été déçue parce que, vu le prix de l'article, j'ai pas compris pourquoi, par rapport à la qualité du truc, pourquoi ça coûtait aussi cher. J'ai pas compris pourquoi, franchement. J'aurais pu rendre le vêtement. Je me suis beaucoup tâtée. Je me suis dit, est-ce que je le rends? Est-ce que je le rends pas? Et en même temps, j'aimais quand même la couleur, tu vois. J'avais pas envie de le rendre parce que j'avais peur de regretter. J'avais pas envie de le garder parce que j'avais peur de regretter. Donc, voilà, je reconnais que c'est assez particulier. On est sur un, en fait, on est sur un espèce de trench façon kimono. Et donc, du coup, ça a du style quand même. Ça a quand même de la gueule. Là, je sais pas si vous me voyez bien. Mais ça méritait pas le prix que ça coûte, en fait. Ça méritait pas le prix que je l'ai acheté. Donc, en ça, cette veste, je la regrette vraiment. Mais bon, voilà, après j'aime beaucoup quand même le style, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas ici, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle des patères, je suis pas sûre, dommage qu'il n'y ait pas, voilà, cette petite boucle qu'il y avait ici et qui permettait d'avoir une silhouette plus soutenue, parce que du coup là, vous voyez, ça fait comme si ça me fait tomber les épaules en fait, j'ai une allure qui tombe, une allure tombante, et ça c'est dommage. Voilà. Ce trench de chez Sandro, comme quoi, tout ça pour vous dire que je dis pas que c'est de la merde, c'est pas ce que je dis juste que c'est trop cher pour ce que c'est. Et moi j'ai toujours dit que en fait, c'est pas parce que vous achetez quelque chose de cher que c'est forcément bien et beau. Là pour les coups, c'était vraiment survendu, franchement, c'était survendu. Je termine la présentation, je termine cette sélection par deux petits basiques que j'ai achetés chez H&M et que j'adore. Je l'ai pris en blanc et je l'ai pris en noir. Voilà. Donc petit haut basique, rien d'extraordinaire, je suis bien d'accord avec vous. Je les ai achetés à 10€ et j'aime trop, ils sont tout en élastane, ils sont super beaux. Ils sont agréables à porter, ils sont très élastiques mais à la fois épais, ici ils se nouent à la taille, ah j'ai adoré, franchement j'ai adoré, très bien pour faire, je sais pas moi, si vous faites du yoga, si vous faites, pour faire du sport vous pouvez le mettre, pour sortir, enfin vous pouvez le mettre pour tout et n'importe quoi ce petit haut, c'est plus, moi je vais plus porter ça pour être détendue. Mais franchement j'ai adoré, ces deux petits hauts H&M, 10€, je les trouve vraiment top, ils sont toujours vendus. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que franchement pour le prix ils sont vraiment super sympas et je les ai pris en taille, dans mes souvenirs je les ai pris en taille M je crois, ouais c'est ça, en taille M.
Voilà les filles et garçons, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les sélections, que cette sélection vous a quand même inspiré. Les quelques liens que j'ai, je vous les mettrai donc en barre d'infos. Écoutez, même si clairement les pièces ne sont plus disponibles, moi je trouve que la sélection que je vous ai présentée, franchement, je trouve que c'est quand même un bon échantillon de la tendance qui s'est faite l'année 2021 qui vient de s'écouler et de la tendance à venir de l'année 2022. Les pièces que je vous ai présentées, clairement, si certaines vous ont plu, vous pourrez les retrouver dans d'autres boutiques. Il n'y a rien d'extra, je n'ai rien inventé entre guillemets, on est vraiment sur des pièces assez basiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Petite précision quand même, si jamais d'aventure, si par plus grand des hasards, une pièce vous plaît et que vous la chopez, bah, mettez-moi un commentaire. Franchement les filles, ça me fera super plaisir. Je suis une personne très ouverte à la discussion, il n'y a aucun problème. Même si quelque chose vous a pas plu, que vous trouvez que c'est trop cher, pas assez cher, enfin, peu importe le commentaire que vous avez à faire, n'hésitez pas, franchement les filles, à m'en faire part en commentaire. Je réponds aux commentaires, donc j'ai les notifications et je réponds à tous les commentaires qu'on me met sur ma page, sachant qu'on ne m'en met pas beaucoup, donc rassurez-vous, je vais vous répondre. Voilà pour cette petite précision. Et dernier point avant que je vous laisse, donc les deux prochaines vidéos que je vais publier, ça sera une vidéo donc seconde main, parce que j'ai acheté beaucoup, pas mal de trucs de seconde main et des pépites en plus, et puis ainsi que comme je vous l'avais expliqué, je vous prépare également une petite vidéo donc comment avoir un style années 70. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse, je vous souhaite à tous un très bon week-end, prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao. Voilà donc l'ensemble tweed. Je vais vous dire dessus, je suis désolée, je cherche le nom parce que ça. L'eau doit arriver à sa fin, je ne sais plus quoi dire. Allez, qu'est-ce que tu veux dire sur cette enseigne? En fait, on m'a appelé, on m'a coupé, je suis pas en train de chercher le là. Mon dieu! Là, il me sert au niveau du vent, ok? J'étais pas bon pour ça, mais je vais faire le faire. C'est la cata, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sophie! Oh oh! Oh putain! Oh mon dieu! Je suis incapable de le porter.